Yo tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo pour cette épopée Football Manager 2018 qui j'espère sera plus longue que les autres que j'ai faites et du coup où j'irai jusqu'au bout de l'aventure, enfin un maximum, où on jouera la Ligue des Champions, on fera des coupes d'Europe, etc. Et donc déjà j'ai présenté un petit peu l'équipe que j'ai choisie et je vais vous montrer déjà un petit peu le thème déjà que j'ai choisi en fait. Vous savez que Football Manager c'est un jeu avec beaucoup de patchs, donc il n'est pas comme ça de base, mais regardez les trucs que j'ai trouvés. J'ai trouvé des patchs de logo un peu métallisés, comme vous voyez là. J'ai trouvé une nouvelle interface, et vraiment c'est super sympa parce que, par exemple, pour la ville, Nancy, tu auras une photo de Nancy. Par exemple, si c'est là, c'est Nancy, ici, il y a les joueurs avec le logo, les photos qui apparaissent, chose que tu n'as pas normalement. Une petite carte de la France pour montrer où se situe l'équipe, les trophées ont été refaits, j'ai pris un pack pour les trophées aussi. Donc c'est vraiment super beau, donc je kiffe. Je vais vous montrer un exemple avec le PSG, par exemple. Ou Marseille, hein, peu importe. Ou Lyon. Regardez, genre avec Paris. Regardez comme c'est beau. Il y a une petite photo de la Tour Eiffel. C'est magnifique. On voit genre le palmarès, le Parc des Princes. Franchement, c'est super. Enfin bref. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc déjà, j'ai fait un seul match. J'ai sauvegardé comme un con, mais c'est pas grave. Je voulais voir si le jeu marchait bien et tout avec les patchs. Donc j'ai fait un match. On l'a gagné. Sur ce match-là, il y a eu un triplé de Paul et un but de Marvin, je crois. Et je crois que nous, là, ça fait 3 passes décisives, le reste je sais plus trop. Et bref, je vais vous montrer du coup l'équipe qu'on a, parce que c'est ça que vous attendez. Hein. Alors, le menu il est ici, sur la barre là. Alors, hop, l'équipe elle est là. Ouais, donc l'équipe, au goal j'ai pris Alban Lafont, c'est le goal de Toulouse, il est jeune, super kiffant. Faut savoir que pour tous les joueurs, j'ai augmenté le potentiel pour qu'ils aient un peu plus de stats, mais les 3-4 joueurs que j'ai pris sont déjà très bons de base. Hein. Mais voilà, c'était pour prévenir. Donc gardien de Toulouse, il est jeune. Il a un potentiel de ouf, 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 ouf. Il a 18 ans, il est déjà titulaire à Toulouse depuis 2 ans. Je pense que ce gardien il a un bon avenir pour l'équipe de France. Ensuite, en défense centrale, en gauche, Gaïa. Donc outre son nom un peu apocalyptique, c'est le latéral de Valence dans la vraie vie. Et il est plutôt chaud, il est très très jeune. Enfin, il est très jeune, il a 22 ans, quoi, il est jeune. En défense, j'ai pris Milenkovic, défenseur serbe de la Fiorentina. Il est très très bon aussi, en réalité. Donc je l'ai pris parce que j'ai envie de mettre un peu mes pépites, mes petits chouchous. Là, Malanga Sarr, c'est le défenseur central de Nice. De base, il était censé être latéral, mais il est passé défenseur central, il est super fort. Donc voilà, bon joueur et français. Donc qui sait, peut-être une bonne surprise pour l'avenir en équipe de France. À droite, Léo Dubois, très bon latéral de Nantes, vraiment super bon. Bon offensivement aussi. Son défaut, c'est qu'il a signé à Lyon. Voilà, je vous le dis. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Ensuite, milieu de terrain, Ndombele. Alors lui, bon malheureusement, il a signé à Lyon aussi, hein, mais c'est une pépite que je suis depuis Angers. Il est monumental. Pour moi, genre lui, j'y finirai en équipe de France. J'adore ce joueur. C'est un monstre. Bref, j'espère qu'on le verra en équipe de France très prochainement. Il est trop trop fort. Ensuite, Marvin. Voilà, avec la petite photo. Vous mettez pause si vous voulez, j'ai pas à m'arrêter sur toutes les stats. Hein. Halilou. Avec des stats en baisse, là je sais pas trop pourquoi, mais bon ça remontera. Mais il a quand même des grosses stats. Ensuite, Nnoudi. Avec des grosses stats aussi, général. Bastien. Pour l'instant, vous voyez, il y a des stats, je vais pas trop toucher, genre corner et tout pour attaquant, on s'en bat les couilles. Mais l'essentiel est là. Et Polo. Polo qui hale. Vous avez tous, vous voyez, un potentiel entre 18 et 20, donc vous avez tous le potentiel pour devenir des tueurs absolus. Et vous l'êtes déjà quasiment. Vous êtes déjà super fort. Donc voilà, c'est cool. Ça, il y a un truc que je peux faire, vu que j'ai l'éditeur in-game, c'est que regardez, si je veux, par exemple, supposons que je prenne l'exemple de Paul. Je peux faire ça, modifier, et bon finition, je peux faire claque, et hop là, palier avant de finition. Vous voyez? En gros, je peux faire des trucs comme ça si jamais je vois que les stats, elles chient. Si j'aurais baisse trop haute, donc c'est cool, je peux remodifier en cours maintenant avec l'éditeur in-game. Je peux même annuler vos blessures si un mec est blessé 6 mois et tout, ça m'aide de recommencer les matchs, donc super cool. Enfin bref. Pour le reste de l'équipe, Thiago Maia, milieu défensif de Lille, il est exceptionnel, j'espère qu'il va signer à l'OM, j'adore ce joueur, il est trop fort. Donc voilà, s'il y a bien un joueur à retenir de Lille malgré qu'il pue la merde, c'est Thiago Maia.
Bernard Deschi, pardon. Plus connu, est lié à la Juve, très bon joueur, encore jeune, il joue pas tant que ça, mais il est très bon. Mahmoud Daoud, une de mes pépites depuis 2 ans. Il joue à Dortmund cette saison, il a raté sa saison, j'espère qu'il va se réveiller. Mais excellent joueur, Mahmoud Daoud. Même si son prénom va faire jaser Paul. Ensuite, Patrick Croutone. C'est un ailier attaquant, pardon, du Milan AC. Il est jeune, il a 19 ans, mais il a mis quelques buts, il est vraiment pas mal, j'aime bien ce joueur. Ensuite, Patrick Schick. Je l'ai découvert avec la Sampdoria de jeune, il avait mis un but fantastique, un tchèque je crois. Il a mis un but fantastique avec la Sampdoria de jeune, où il a mis un peu un but à la Ljungberg avec un sombrero grand pont arrière pivot là. Et il est censé signer à la Juventus. Il a un problème à visite médicale et du coup il a signé à la Roma. Et là il est en demi-finale de Ligue des Champions. Bonne chance à lui. Ensuite, Moise Kean, ailier de la Juventus Turin qui a été prêté je crois à Hellas Vérone. Gros potentiel donc je l'ai pris. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas vu jouer vraiment, mais gros potentiel, donc j'ai pris. Chiesa, lui c'est Fiorentina. Ailier très très bon, pareil, jeune. L'Italie, ils ont des bons jeunes joueurs en ce moment, donc c'est cool. On verra ce que ça donne. Casper Dolberg, alors lui c'est un attaquant de l'Ajax qui pète tout à l'Amsterdam, il est jeune. Je pense qu'il y a une équipe genre Liverpool ou City, ou peut-être, je sais pas moi. Ouais, Liverpool, City. Ouais, j'aime bien Liverpool le prendre. Genre une équipe dans ce genre qui va le prendre à mon avis. Attaquant de pointe très très bon, il score but sur but avec l'Ajax alors qu'il est jeune. Ensuite, Ryan Sessegnon, lui c'est un ailier qui joue en Angleterre, je crois que c'est à Bournemouth ou un truc comme ça. Et il fait une grosse saison, il est prometteur. Il était le meilleur joueur de seconde division, donc bon potentiel. Ensuite, Georgen, lui je sais pas si vous le connaissez, c'est un l'arrière droit de Paris. Il était prêté. Je sais pas ce qu'il vaut, hein, mais il a du potentiel, donc pourquoi pas. Corchia, lui, bien connu, joueur de Séville, qui étonnamment n'est pas en équipe de France. Boubacar Camara, défenseur central de l'OM, il est super bon de ce que j'ai avec l'OM cette année, donc je mise beaucoup sur lui. Ensuite, Émile Audero, c'est un gardien remplaçant de la Juve. Voilà, je l'ai pris parce qu'il fait une doublure. Oussem Aouar, milieu lyonnais, ça me fait mal au cul de le dire, mais il est très 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 bon aussi. Lyon a beaucoup de bons jeunes et ça se confirme encore avec Ndombele et Aouar. Ndombele vient d'Angers mais Aouar c'est centre de formation. Donc très bon jeune. Rien à dire. Super fort. Et Maxime Lopez, lui je l'ai pris parce que c'est l'OM quoi. Bah il a un peu du mal cette année mais ça reste un très bon joueur. Et pour finir, j'ai pris un autre joueur lyonnais, une pépite qui perce tout en U19. Mais là du coup moi je l'ai mis dans mes U19 à moi. Hop, ici. Il est attaquant. Il est où? Voilà, Amine Gouiri, c'est un attaquant. Merde, mon micro c'était cut. Donc juste un attaquant lyonnais, il a 17 ans. Il nique tout en espoir. Il enchaîne but sur but avec les U19. Donc est-ce qu'il va percer? Est-ce que ça va être un feu de paille? Je ne sais pas, mais ça me donne envie de croire en lui moi pour le jeu. Donc on verra s'il perce dans la vraie vie plus tard. Voilà. Donc pour l'instant il est avec les moins de 19, mais il a déjà des. Il est déjà très très fort quoi. Je crois qu'il a déjà planté un quadra, voilà. 4 buts à son premier match de 19 avec mes anciens. Ah, bref, du coup je vais lancer. Donc au premier match on a gagné je crois 4-0. Si je dis pas de conneries. Le coup de priorité c'est Ali Noodles qui les tire si jamais. Voilà, ils ont 20 en coup franc donc je les fais tirer. Logique hein. Les pénaltys, je crois que c'est Bastien ou Paul ou les deux ou je ne sais plus. Enfin bref. Et je vais chercher le calendrier. Calendrier qui est ici. Je vais juste vous montrer le but quand même qu'on a mis, enfin que Paul a mis, parce qu'il était assez fantastique. Et après on lance les matchs. Allez. Regardez cette action là. On va la mettre un peu ralenti. Voilà, Polo, il se fait tacler. Ali, il la donne à Marvin. Contrôle, une touche Noodles, une touche Nudi. Et la balle pour Paul, la reprise de volée ciseau. Ce but était formidable, j'ai rarement vu des buts aussi beaux dans Football Manager. Donc je tenais à vous le partager. Enfin, je veux dire, à part les frappes de loin quoi. Enfin bref, on va partir.
Je vous ai montré un peu l'équipe et tout. On va laisser Benoît Pedretti, parce que c'est Benoît Pedretti l'adjoint, hein, faire le coaching. On est favori du championnat, je crois que de base, Nancy l'est déjà, mais en plus avec nous, on est encore plus favori, mais on va voir ce que ça donne. Je sais pas si on va plier toutes les équipes ou pas, on verra. Donc voilà, hein, j'ai beaucoup de... En Ligue 2, heureusement, on a que 5 remplaçants, qu'en Ligue 1, on en a 7. Donc là, je pitais que les 5 là. C'est un peu dommage. Mais bref, c'est la vie. Ah non, mais en Ligue 2, c'est 7, j'ai rien dit, autant pour moi. Et bref, je ferai tourner un petit peu pour que tout le monde joue. Mais joueur, mais au moins, j'ai un effectif complet. Donc ça a un petit peu changé le jeu maintenant. T'as une vraie préparation. Regardez, on a un avant-match qui est assez stylé. Je préfère en mode Bundesliga d'ailleurs, regardez. Ça rend bien, non? Avec les petits logos métalliques. Bon, ça, je peux le passer, hein, mais c'est, je trouve ça sympa de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'avant-match avec le patch et tout. Je peux mettre en mode Ligue 1 si je veux. Hein. En Ligue 1, c'est comme ça. Enfin, en Ligue 2, du coup. Donc là, les vestiaires. Causerie d'équipe. Alors, on va dire de donner l'occasion en fait, de faire la fête. Les joueurs n'ont pas eu de réaction particulière, bah, niquez vos mères, hein, c'est pas grave. On peut des consignes aux attaquants, genre il n'y a pas de pression, je veux qu'on soit nos finitions, machin, mais je vais pas le faire. On va lancer. On va perdre trop de temps là en Ligue 2, hein. On va lancer vite. Eh bien, alors, c'est parti. En vitesse, je vais mettre comme ça, je pense. C'est assez rapide, mais pas trop non plus. Avec nous dit le corner, ça revient, Marvin, Ndombele qui frappe, c'est la barre transversale. C'est la première occasion pour l'AS Nancy Lorraine. Avec Honor Tematandad, avec Neto pour Mathieu Sens. Je crois que c'est pas le Mathieu Sens parce qu'il jouait à 3 fut une époque. Gaïa, la contre-attaque, Nudi qui accélère, ça va vite, Nudi qui est passé, il centre, Alilou. Le premier but de la saison pour Alilou. Alors je tiens à vous préciser un truc, j'ai fait un test de son tout à l'heure pour voir si ma voix était pas trop forte par rapport au son du jeu ou vice versa. Et dans le test que j'avais fait avec le match, on avait perdu 3-2. Donc je me suis dit que c'est peut-être pas si free que ça tout le temps. Mais bon là en tout cas. On commence fort. Le but d'Alilou, ça te passe Noodles. Quatrième passe de la saison pour Noodles déjà, je crois. Allez Marvin, Alilou. Alilou en profondeur pour Polo, c'est bien fait. Polo qui accélère, Polo pour Bastien. Bastien qui peut encore peut-être remettre en arrière. Gaïa, Ndombele, Alilou, Polo qui sort. Attendez Bastien, Noudi. Le deuxième but en 6 minutes. Il est signé Noudi. Et maintenant il reste que Bastien qui n'a pas encore marqué pour Nancy sur les deux premiers matchs. Mais tout le reste à marquer. Je crois que la passe décisive elle est pour Bastien d'ailleurs. Voilà, la belle déviation. Oh c'est beau Bastien de sa part. Bastien je l'ai mis en pivot. Hein. Paul en renard de surface. Noodles et Ali en ailier. Et Marvin en box to box je crois. Ou en meneur de jeu avancé, je ne sais plus. Et bref, ça joue bien en ballon cette équipe, c'est beau. Le coup franc d'Alilou. Dégagé par Sir Jimmy Chopin. Chopin, récupération de l'eau du bois. Pour Malangassar, Marvin, et en profondeur pour Polo, c'est bien fait, Polo qui passe, le 3-0, et bah putain, pour le pré-match que je commente, où cette fois ça compte, on se régale, avec cette fois-ci une passe de Marvin, je crois, ouais, c'est Marvin, l'ouverture magnifique pour Paul, Paul qui accélère, il se décale sur la droite, et là, le gardien qui ne peut rien faire, face à un tel finisseur, pour l'instant, 3 buteurs différents, il manque Bastien. Allez, Alilou sur le côté droit, qui perd la balle au profit de Mathieu Sens, l'ami Calzé, Aguazi, Royce, Neto qui peut mettre en profondeur sur Donango, il est en 1 contre 1, c'est bien défendu de la part d'Ndombele, avec qui encore Endo, la balle pour Neto, ça passe à côté, la réduction du score était possible pour les Chamois Niortais, mais un manque de lucidité dans le dernier geste, Noudi, le coup franc, dégagé, Choplin encore, Choplin, je crois qu'il joue à Bastia, Choplin, c'est pour ça que je le connais, Vion, en profondeur pour Riviera, la frappe! Le coup de pétard de Donando! Et c'est de Donando du coup, parce que je crois qu'on dit pas Endo en camerounais ou je sais plus quelle langue. Ah non, c'est avec le M, parce qu'on dit Bappé, mais on dit pas Mbappé par exemple. Enfin bref, donc du coup je pense que c'est Donado. 3-1 pour Nancy seulement, la réduction du score de chez Manorte. Allez, il faut se réveiller encore, Gaïa. La longue ouverture pour Polo, c'est magnifique, Polo dans face à face! L'interception de Sergio Alagbe. Et on arrive à la mi-temps peut-être sur ce 3-1. Non, dernier corner, Noudi, il se tâche sur la ligne. En tout cas, une très belle première mi-temps avec déjà 17 tirs pour les anciens, 7 tirs pour Niortais, donc 24 tirs en 45 minutes. Énorme moyenne. Du coup,
On va aller au vestiaire, on va dire que faut continuer ainsi, c'est très bien. Niveau fatigue, on est tous plutôt bien, à part Marvin qui est un peu fatigué. Je ferai sûrement des changements vers la 60e. Même vous, je vais vous faire tourner, hein, faire jouer tout le monde. L'eau du bois. Création d'Aguazi. La contre-attaque peut-être. Donado. Donado. Nieto. La frappe! Ouh là 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 là. New York qui est proche de revenir dans ce match. Hein. Attention les Nancéens. On va faire un premier changement, je pense. C'est Marvin qui va sortir. Au profit de Mahmoud Daoud. Voilà. On va peut-être faire rentrer Patrick Schick en attaque. Massin qui est un peu fatigué, je pense qu'on va sortir lui. Par contre, pas dans le même rôle que... Patrick Schick, c'est pas du tout le même rôle que Bastien. Hop. On va le mettre en soutien vu que Paul en attaque avancée. Hop, meneur de jeu en retrait. On va le mettre en soutien. Et c'est parti. On continue cette deuxième mi-temps. Diabaté. Oh le beau tacle. Léo Dubois qui récupère. Allez, fais une belle passe garçon. Ok, faut dégager ça. Mathieu Sands, Diabaté. Oh Ndombele, interception, le monstre Ndombele là! Allez, allez Tanguy! Allez Tanguy le centre! Ça revient sur Mahmoud! Tanguy Ndombele chic nous dit le 4-1! Le doublé de Noodle! C'est du coup, vu qu'il a mis un doublé, on va le remplacer pour faire tourner un petit peu l'équipe et faire jouer tout le monde. On va faire rentrer... Ouais, Chiesa, je pense, ou Bernardeschi. Ça va... merde, je fais quoi? Non, c'est bon, j'ai un fait de mal. Ouais, ça va être Bernard Hershey qui va rentrer. Hop là. Ouais, il est plus allé sur l'autre côté quand même, hein, mais c'est pas grave. Allez, l'eau du bois, Polo. L'eau du bois qui centre. Ça va, un Ndombele, Daoud, Chic. Chic vers Gaïa. Gaïa qui peut être centré, c'est dégagé. Je sais pas si le changement a déjà été fait pour Noodles. Chic, Aguazi qui récupère. La contre-attaque, Donado. J'arrive même pas à cliquer sur les joueurs. Ouais, c'est bon, on va rentrer Bernardeschi. Le centre dégagé. Ah, il souffle là, les Nancéens. Il faudrait réussir à récupérer cette balle. Mais non, ça arrive pas. La frappe! Le but de Jigla! La réduction du score des Niortais. 4 à 2 ici à Nancy. Niort réduit la marque. Le coup franc d'Aguazi peut-être. Ouh là là, l'arrêt de la fond! Et les Niortais qui reviennent à 4-3. On va changer un peu de tactique parce qu'on a l'air de se faire bouffer là. On va passer. Non, c'est pas là. C'est là, je crois. On va passer en contre. Hein. Parce que là, à faire le jeu, on s'expose. Allez, faut tenir ce score là. En tout cas, il y a du spectacle à Nancy. Hein. Tiens, le jeu il est fluide sur cet ordinateur. Ça change. Ah, peut-être une dernière action. Gaïa, Ndombele en profondeur vers Polo. Polo qui frappe. Et l'affaire est close. Le but de Polo. Qui signe, je crois, son doublé. J'ai pas vu qu'il était passeur décisif. Daoud, Gaïa. Gaïa, Ndombele. Ah bah c'est le frérot Ndombele, hein. Tanguy Ndombele, Polo, ça marche. Le nouveau N'Golo Kanté. Et Nancy qui va s'imposer. 5 buts à 3, c'est fini. Une belle victoire avec la manière. 23 tirs à 14, on a quand même concédé des buts, mais bon, en jeu offensif, on est là pour ça. Alors. Du coup, on a 9 buts en 2 matchs. Plutôt pas mal. On va pas faire la conférence parce que Nick. En coupe, je pourrais tomber sur Châteauroux. Là, je vais avancer vite, vu que mon ordi me permet d'avancer vite, donc on va en profiter. Est-ce que c'est de la coupe qu'on fait là? Eh, c'est ça, c'est de la coupe de la Ligue. Et si on gagne, je crois qu'on tombe contre un autre club de Ligue 2, vu que les Ligue 1 rentrent seulement en 8e.
Donc voilà. Je vais faire 3 matchs dans cette vidéo, donc encore 2, vu que j'ai quand même fait la présentation et tout. Ça fera déjà un bon début. J'accélère un max hein, pour pas perdre de temps. Va être serré, enfin serré pas forcément, mais que ça sera les Lyon, Monaco, Marseille, Paris les premiers quoi. Comme ça quand je serai là, ils auront une grosse équipe. Alors, parce que là j'ai pas de doute sur ma montée en Ligue 2, hein, enfin en Ligue 1. Briefing. Ok, parler à l'équipe. Bon, on s'en bat les couilles en fait. J'ai pas fait ce que je dis, on prenait Christopher Mandan, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Christopher Mandan. Enfin bref, là on est du coup là. Ce que j'aimerais bien c'est c'est voir en fait ma fatigue. Comment faire apparaître ma fatigue s'il vous plaît? Forme physique, voilà. Ouais, ça a tout le monde en forme, on va garder la même équipe. Faut que je prenne quand même, pour pas qu'il y ait des joueurs qui arrivent hors de forme sur certains matchs quand je les ferai rentrer s'il y a des blessures. Genre là j'aurais pu être Korchia par exemple, mais bon. Allez, le déplacement à Châteauroux qui commence, c'est parti. Merde. Le centre, la tête de Nnoudi, l'arrêt d'Asen. Je regarde juste un peu les scores. Asen qui dégage, ça revient sur Polo. On a eu la 8ème minute de jeu. Marvin qui peut décaler à gauche. Gaïa, elle fait un beau centre. Bastien peut-être. Bastien qui est remis sur Nnoudi. Putain, Bastien joue tellement bien en pivot dans l'équipe là. Ça marche parfaitement le pivot de Bastien, je suis content. Il faut qu'il marque Bastien aussi. Il a pas encore marqué. Marvin pour Bastien. Pour Malangassar. Et le but de Malangassar avec encore une fois une passe clé de Bastien. Bastien qui est vraiment clutch dans la dernière passe. Ce Jean Pivot qui marche parfaitement. Regardez, une touche de balle. Mais on attend toujours un but de Bastien quand même. Hein, parce que tout le monde marque sauf lui pour le moment. Nnoudi, ça revient sur Bastien. Polo qui frappe. Et le deuxième but. Et encore une passe décisive de Bastien. Cette fois-ci pour Polo. Bastien qui est en train de survoler la saison en passe. Putain, Polo c'est un vrai finisseur par contre là. Traoré, Sarr, Endo. Endo s'est dégagé, Dubois, Lafond. Loin devant, sur Bastien, qui est crocheté, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ndombele l'équipe décalée à gauche, sur Nnoudi, peut-être pour Gaïa. Non, Nnoudi qui va centrer lui-même. C'est récupéré par Hassan, le gardien Castel-Roussin. Sur Mandan, on avait dit de prendre Mandan, on l'avait dit. Et Marvin, il écoute les consignes, il prend Mandan. Quel joueur sur la ligne, Gaïa. Allez Gaïa qui va remettre dans l'axe, Ndombele l'équipe décalée à droite sur Alilou, Alilou qui peut peut-être centrer. Stop la barre, ça vient sur Nnoudi, Nnoudi qui centre, Marvin. Alilou, Alilou qui marque le troisième but nancéen ici à Châteauroux. Et ça tourne à la démonstration de base de centre raté d'Alilou qui tape la barre. Nnoudi qui centre, c'est Marvin je crois qui décale. Ah non, c'est un contre en fait de Marvin qui compte un dégagement. Et la grosse erreur du gardien Hassan. Et Ali qui assène le coup de grâce au Castel-Roussin. L'eau du bois, Marvin pour Alilou, Dubois, Marvin, ça joue bien, il peut peut-être permuter encore pour Ndombele, c'est bien fait, Ndombele pour Alilou, la frappe d'Alilou! Ça passe au-dessus, pas de doublé pour Alilou. À la dure, qui va à la dure, Mandan, le centre, Malangassar qui dégage, Dubois, Marvin qui fait office de métronome dans cette équipe, Polo qui peut être centré vers Bastien, allez! Non, c'est dégagé! Et peut-être le contre avec Barthelmé, l'ancien joueur à l'orienté, qui donne à Mandan, l'ancien Guingampais qui frappe! L'arrêt d'Alban Lafond. Mandan qui est décidément est bien pris par les Nancéens. Bastien pour Ndombele qui va décaler à droite sur moi pour Alilou. Qui remet dans l'axe. Marvin qui peut peut-être frapper. Non, il décale Bastien. Bastien pour Nnoudi. Ça passe à côté pour Nnoudi. J'aimerais vraiment que Bastien marque parce qu'il est vraiment décisif dans le pivot. Il lui manque juste les buts à Bastien. Ce serait bien qu'il marque au moins un petit 20 buts cette saison. Nnoudi, Dubois, le centre magnifique pour Bastien. Aïe 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 aïe, il a raté. Le raté de Bastien qui ne veut pas inscrire son premier but de la saison. Le coup franc de Nnoudi. Ouh lolo. Le Châteauroux qui est en train de se faire massacrer 13 tirs à 3 à la mi-temps. Encore on est réaliste. Hein. Il y a des matchs où on n'aurait pas marqué. Je pense qu'il y aura une occasion parce qu'à la mi-temps, généralement,
Ils mettent la mi-temps direct s'il n'y a pas d'occasion. Ndombele, Polo, Polo qui frappe. Le doublé de Polo. Le doublé de Polo avec une magnifique percée à la base de Ndombele. Regardez le travail d'Ndombele, Ndombele Polo, le duo qui marche. Le décalage sur Polo et là le gardien qui est quand même pas ouf. Hein. 4-0 à la mi-temps. Que dire à part bien jouer aux joueurs. D'un air assuré. Les joueurs ont hâte de maîtriser sur le terrain, bah tu m'étonnes, quand tu gagnes 4-0, t'as toujours hâte. Hein. Engagement d'Alban Lafont, loin devant, vers Bastien, non, c'est récupéré. Oh, quelle passe, quelle passe pour Alilou, Alilou qui peut centrer vers Bastien. Et Bastien qui loupe sa tête, et je crois que Bastien est blessé. Et Bastien il est blessé, on va le remplacer. Malheureusement pour lui. Ah c'est en coupe qu'il a le droit qu'à 5 remplaçants, je me disais bien. La rentrée de Patrick Schick qui remplace Bastien. Traoré. Bartel mais la contre-attaque peut-être pour Mandane. En deuxième mi-temps on a plus de mal. Hein. Faut qu'on arrive à se concentrer en deuxième mi-temps souvent. On se réveille souvent vers la 70e mais avant ça on a un peu du mal souvent. Au niveau des passes, on est là. Allez, Polo 86% de passes réussies, Alilou 90, c'est excellent. Milenkovic, Ndombele. Pour Polo qui peut sûrement décaler. Non, il va tout seul, il frappe. Ah, il aurait pas dû y aller tout seul là. On va faire des remplacements. On fait rentrer Bernard Deschi à la, place de Alilou. Et Korchia à la place de Lo Dubois. Je sais que vous râlez quand je vous remplace vers votre écran, mais c'est moi qui décide, les gars. C'est moi le coach. J'ai plus l'air d'avoir d'occasion. Hein. Je crois qu'on se dirige tranquillement vers la fin du match. Ah, peut-être le coup franc. Yes. Enfin, on va pas prendre de but. Allez, jusqu'au bout. Ouais, on est à la fin du match. C'est fini, là. C'est terminé. Une belle qualification. 4-0 à Châteauroux. Rien à dire. On a eu un peu moins d'occasion qu'au dernier match, mais on a bien scoré, c'est cool. Donc très content. Bastien a blessé 3 à 7 jours. En fait, je vais faire un truc, si vous voulez les gars, je peux supprimer les blessures. Ça, je peux le faire. Mais je le ferai que je le fais si c'est des blessures longues. Parce que sinon, je garde un minimum de réalisme. Genre, si 6 mois, je me casse pas les couilles, j'annule. Si c'est 2 semaines, 3 semaines, ça va. Parce que sinon je peux aller dans l'éditeur, annuler les blessures. Du coup Bastien va sûrement commencer sur le banc sur ce match je pense. Parce que j'ai pas envie de le blesser plus. On aura peut-être un quatrième match en fait, ça dépend de mon humeur. On verra à la fin de ce match. Alors... faire tourner un peu la défense, la mettre Boubacar Camara, tiens. Bah c'est un blessé, donc on va mettre Dolberg. Est-ce qu'on est média jeune prodige, c'est beau ça. Alors, attaque en complet, attaque. Pour le reste... Ndombele, on va le remplacer par Aouar. Tiens, on va mettre Aouar à ce match. Petit joueur lyonnais. Voilà... Gaël il est un peu fatigué, on peut mettre... je suis pas derrière gauche remplaçant maintenant que j'y pense. Je suis pas derrière gauche... Ah si je peux être Cessignon peut-être ici, tiens.
pas à son meilleur poste, mais bon, faut bien faire un peu de changement. Du coup, on met Corchet à droite, comme ça. Faut que je concerne un peu plus de joueurs. Tiens, Mélo Duron, on s'en bat les couilles de lui. Ouais, on va mettre comme ça, tiens. J'adore Thiago Maia aussi, je vais peut-être faire jouer Thiago Maia plutôt qu'Awar. Oh, Thiago Maia, je vais mettre au prochain match au pire, faut que je fasse tourner. J'ai beaucoup de concurrence au milieu de terrain, mine de rien. Après, je sauvegarde, j'ai pas besoin. C'est bon, allez, go. On va faire un petit peu tourner, de mettre d'autres joueurs pour changer. Je crois que ce soit toujours les mêmes et concerner tout le monde. Merde, j'ai pas fait de... Oh, j'ai pas fait de coaching d'avant-match, ça pue ça. On espère qu'ils fassent pas trop de la merde les joueurs du coup. Parce que j'aurais rien dit. Généralement quand tu dis rien c'est mauvais signe. Kwanda Lilou, ça passe au-dessus. Eh, ils ont Yoann Molo lance, je sais pas. Marvin, qui veut. Non, il a voulu donner vers Dolberg, mais c'est dégagé. Loin devant. Tube. Occupation de Sarr. Sarr pour Camara. Camara qui transmet, c'est dégagé. Sur Umut Bo... Ah, c'est un bon joueur Umut, il est meilleur buteur de choix de Ligue 2 avec Nîmes. Faut que je m'en méfie. À la couche, Tube qui frappe, ça passe à côté. Le corner de Savanier, c'est dégagé. Tube qui frappe, ça passe encore à côté. Putain, ça me fait chier de pas avoir fait de coaching d'avant-match. Quand tu dis rien aux joueurs, souvent ça les déconcentre. Et là ça se sent, c'est la merde, on est bien dominé. Ça va nier pour le corner, sur Tube encore, Tube. Tube il est en train de nous violer. C'est du contre-attaque, nous dit en profondeur, sur Alilou, allez Alilou, allez Alilou, allez Alilou, oh, le coup de génie! Le coup de génie d'Alilou! Quel but d'Alilou! Quel but! Ah là j'en demande à voir ça. Oh là 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 là, la petite patte droite. Oi 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 oi. Quel but d'Alilou. Camara. Alilou encore. Alilou qui frappe. Ouh là là, il est chaud. Ça y est, le numéro 10 qui s'énerve. Enfin, le numéro 7 plutôt. C'est en profondeur pour Dolberg. Ah, Dolberg, Dolberg. Il arrête de Marioa. Décidément, les attaquants veulent pas marquer. C'est plus les ailiers qui marquent. Enfin, je veux dire les attaquants. L'attaquant de pointe, quoi. Bastien et Dolberg qui marquent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois signer Ronaldo pour avoir des buts ou Griezmann? Sarr nous dit. Nous dit qui décale. Korchia, Alilou. Marvin s'est dégagé vers Umut Bozok. Umut Bozok. Umut Bozok. On a dit de se méfier de lui. Tube, Tube. Tube le tir. Relégation de Bassi. Nancy qui franchement ne méritait pas trop de mener au score, qui se fait à juste titre égaliser. Faut se réveiller là pour les Nancéens dans ce match. Maria, Briançon. Maria qui dégage, c'est récupéré par Korchia. Korchia. Pour Alilou, Alilou, Marvin, Marvin qui avance, Noudi qui frappe peut-être. Non, il y avait pour Alilou! Le manqué d'Alilou! Il met un but de génie et derrière il loupe une balle à 2 cm des cages. Quel raté d'Alilou! Aïe 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 aïe! Nancy qui a du mal dans ce match. Il faudrait un coup de génie là pour s'en sortir, je pense. Oh, le magnifique tacle. Magnifique tacle défensif, mais c'est quand même récupéré par les joueurs du Nîmes Olympique. Avec Umut Bozok qui décale vers Sessegnon, qui intercepte. Magnifique, mais ça revient encore. Il faut que les Nancy arrivent à poser le pied sur le ballon. Magnifique balle de Marvin pour Polo. Polo qui peut être centré vers Dolberg. La tête, et c'est le contre quand je crois, oui. Parce que la tête de Dolberg tape le poteau, retape Maria. Dolberg décisif, mais Dolberg pas buteur malheureusement pour lui. Et ça fait 2-1 pour Nancy si Nîmes. Avec Alilou, Alilou vers Polo, Polo qui vient de centrer, le centre de Polo. Et Marvin qui finit, Marvin qui finit. Et Nancy qui se sort du piège nîmois avec 2 buts très rapides en fin de match. C'est un bon travail d'Alilou avec une très belle ouverture pour Paul. Paul qui accélère, qui fait centre magnifiquement à terre. Marvin qui finit, c'est propre, rien à dire. Le gardien ne peut rien faire, il est battu. Malang Sarr prend un deuxième jaune dans ce match, enfin de la saison je veux dire.
C'est là, il y a l'écran géant qui retransmet le match, c'est marrant. C'est bien fait. On joue pas encore au Parc des Princes au Vélodrome, hein, mais... C'est déjà pas mal. Ouais, 10 tirs à 6 cadrés contre 10 tirs 4 cadrés. Pour l'instant, on les vole un petit peu. Enfin, se réveiller. Ouais, moi je crois qu'on fait pas le bon match là. Donc on va leur dire. Même si on gagne 3-1, on leur dit. L'atmosphère est si bonne que les joueurs sont prêts à faire des miracles. Mais c'est bon ça. Bah faites-moi des miracles les gars. Valls, qui s'est reconverti en footballeur suite à avoir, après avoir raté la politique. Nous dit pour Dolberg. Dolberg qui écarte à Lilou. À Lilou contre une fois. Mirme à Polo. Polo qui frappe. Oh le pétard. Le pétard de Polo. Et c'est le 4-1. Ils avaient dit que c'est capable de faire des miracles. Et ben voilà le miracle. Dolberg qui joue parfaitement vers Ali. Ali une touche. C'est contré. Il la remet sur Paul. Et là. Pouf, le gardien qui n'existe pas. Le gardien qui n'existe pas. Il se fait transpercer. On va faire des petits changements parce qu'on est toujours fatigué. Marvin qui va être remplacé par, bah, par Ndombele, je pense. Hein. Par Ndombele, tout simplement. On va peut-être faire rentrer... Melangsar, on va le sortir. Avec Milenkovic. Et on va faire rentrer Croutonnet en attaque à la place de Dolmer qui a été un peu inexistant dans ce match. Ah, il a apporté un but, il a fait des bonnes passes, mais pas assez décisif. Hein. On va voir si Croutonnet peut faire mieux. Enfin, c'est même pas Croutonnet, mais j'ai trop envie de dire Croutonnet. Coutronnet. Il n'y a plus d'action. Arek, Del Castillo, récupération de Korcha, loin devant vers Polo. Est-ce qu'il va aller au 1 contre 1, Paul? Bien sûr qu'il va aller au 1 contre 1, Paul. Il va décaler. Non, c'est loupé. Récupération de Tube. Allez, faut refermer, bien joué ça, nous dit. Nous dit l'ouverture, Alilou. Penalty, j'ai pas trouvé pourquoi, mais penalty. Que va tirer Polo? Peut-être le triplé pour Polo. Et c'est dedans. Le triplé de... Ah non, c'est le doublé, pardon. Le doublé de Polo. 5-1 pour Nancy. Le doublé de Polo sur penalty. Je pensais que ça allait être un match piège, au final on s'en est bien sorti. Malgré une première mi-temps compliquée. On les a un peu hold up. Coutronnet, c'est Seignon qui vient de centrer le centre, c'est mal fait, ça va dans les bras de Maria, qui dégage, Maria, Del Castillo, on dirait un joueur de PS2 ça le nom. Allez à oui pour Tube, je crois que je vais le prendre dans mon équipe, hein. Il est meilleur que Bastien, plus décisif face au but. Hein. Camara, Ndombele, Noudi, c'est récupéré, c'est Seignon, allez fais-nous un beau centre. Allez garçon, oui le centre il est beau. Mais la tête de Paul qui passe à côté. Et vu que ce match m'a fait plaisir, on va en faire un quatrième les gars, c'est cadeau. On regarde s'il y a peut-être une dernière action, mais je ne pense pas. On a fait tourner et on s'est quand même imposé, c'est bien. Ils ont quasiment pas tiré en seconde mi-temps, on les a bouffés. Bon coaching de ma part. Hop là. 5-1, donc ça fait 5 buts, 4 buts, et du coup en championnat on a 14 buts déjà, c'est beau. Et c'est bon, alors après il a mis un but, on s'en bat les couilles. On va enchaîner sur Sochaux, on va accélérer, cette fois il y aura Bastien pour Sochaux. Le retour de Bastien, qui peut-être marquera-t-il son premier but en 4 matchs. Enfin 3 du coup, vu qu'il a, il a eu une blessure. Ah oui, ça avance vite là, ça fait plaisir d'avoir le PC. Il n'y a aucun lag, regardez, j'enchaîne. Genre je peux spammer. Tu veux partir, mec, je sais même pas qui t'es, gros. Il me dit, j'empêche de partir. Personne t'empêche de partir, gros. D'autres blessés un ou deux jours, on s'en bat les couilles. C'est un ou deux jours, et de toute façon j'ai du banc. Donc c'est pas un de vous, c'est pas très grave. À part c'est Ndombele, parce que Ndombele c'est le sang.
Allez, petit dernier match, et après on stoppe la vidéo là. On commence à bien maîtriser la composition, bah, je crois quasiment jusqu'au bout là. C'est cool. J'ai entraîné un peu d'autres compositions, mais pour l'instant j'ai gardé celle-là, elle est très bien. Les autres compositions c'est plus pour quand vous jouez pas. Genre par exemple peut-être qu'en coupe, des fois je ferais jouer quasiment que. Je ferais jouer aucun de vous en fait. Pour un minimum de réalisme et faire se tourner un peu nos joueurs. Alors là du coup, on va remettre Ndombele. Hein. Parce que c'est le frérot quoi, Ndombele. À gauche chez Seignon, c'était pas mal. Hein. Est-ce que je leur laisse sa chance Et pour moi, on va laisser Gaïa. Parce qu'après, Seignon, c'est plus un ailier qu'un arrière, hein, mais c'est pas mal qu'il puisse jouer arrière aussi. Ça me donne plus de polyvalence. En attaque, bah Bastien, il revient. Hop. Toujours en attaque en pivot, j'y tiens. C'est très important pour moi. C'est vraiment comme ça que je l'aime. Quand il fait des petites déviations, il est parfait. Du coup, pour le reste. Ah ouais, il avait fait un bon match apparemment, c'est cool. Milenkovic à la place de Camara ou pas? Ouais, on va mettre ça. On va plutôt mettre Milenkovic. Dubois à la place de Korchia. On va remettre l'équipe type comme ça. Seignon, hop, t'as joué, on peut te sortir un petit peu. Moiskin, il a pas eu sa chance encore, on va faire tourner. Je peux lancer genre jeune. Hein. Je ferais peut-être rentrer en cours de match genre jeune. Pareil, Thiago Maia, on va le faire rentrer. J'essaye en fait de faire un peu jouer tout le monde. C'est, tu peux pas faire ça, mais. Mais bon, qu'ils jouent tous un petit peu, quoi. Il me ressemble, hein, le coach. Alors. Ouais, ça, on doit gagner sans moins de difficultés, j'ose le dire, moi. Pas de problème. Allez, c'est parti! Au stade Marcel Picot pour ce match entre Nancy et le FC Sochaux. Le premier contre le dernier. Normalement, Nancy devrait s'imposer facilement, sauf grosse erreur de parcours, hein. Sochaux en tout cas qui démarre tambour battant avec Martin. Est-ce que Martin c'est pas Marvin Martin hein, c'est pas possible. Kaloulou? C'est Aldo Kaou de Lyon? Ah ouais. Putain. Et hey, Tousgar, je le connais. Il jouait où? Il jouait pas à Lens? Attendez 2 secondes, ça me perturbe. Si, il joue à Lens, je suis pas fou, il joue à Lens. 8 buts, hein. C'est là, il a fait une bonne saison avec Lens. Bref. Bastien, Nous dit en profondeur pour Marvin. Marvin qui centre, ça revient sur Bastien, la tête pour Paul! Toujours pas de but dans ce match. Les Sochaliens qui pour l'instant tiennent bien et ne concèdent pas tant d'occasions que ça finalement. Aldo Kaloulou, le joueur prêté par l'Olympique Lyonnais qui centre. Ça vient sur Meite qui frappe! Et à la surprise générale! C'est l'ouverture du score de Sochaux ici à Nancy! Viakou Meite! Stupeur au stade Marcel Picot ou Nancy. Sochaux ouvre le score, pardon. Bastien qui porte la poisse. Marvin, Bastien qui décale. Allez. Oula, erreur défensive, Polo! L'égalisation! Elle est signée Polo. Déjà son 10e but de la saison. Il est inarrêtable, Polo. Gaïa, Bastien, Ndombele, Marvin. Ça revient sur Kaloulou. Kaloulou sur le côté droit. Le beau tag de Gaïa. Très beau tag. Et la sauve! Quel homme! La fond, fais pas de conneries, s'il te plaît. Oulala, j'ai eu peur. Mais finalement c'est magnifique. Ouais, non, mais allez, Alilou, Alilou, Alilou. C'est récupéré par le gardien Sochalien, Prévost. Qui va nous faire un petit poème, il dégage. Milenkovic, Sarr qui a déjà pris un jaune. C'est 3 jaunes quand même en 5 matchs, ça fait beaucoup. On va peut-être faire tourner. Bastien, Noudi qui décale sur Marvin. Marvin pour Polo. La frappe de Polo! Et le 11e but! Paul qui est une scoring machine.
Il est inarrêtable, Polo. Tardieu, Kaloulou, Kaloulou, qui s'entre en retrait, s'est dégagé vers Noudi. Noudi pour Bastien, Bastien, c'est bien fait. Ndombele, c'est ça qui participe beaucoup au jeu. Marvin, Bastien. Bastien, Marvin, Ndombele qui décale sur Gaïa, le centre vers Bastien, Bastien qui tire le poteau. Toujours pas de but pour Bastien avec l'AS Nancy Lorraine. J'ai cru qu'il y a pénalty, mais non, c'était un coup franc. Quel dommage. J'ai peur que ça reprenne un rouge. Ndombele. Alilou qui décale. Bastien qui. Ah, Bastien qui loupe sa passe. Attention à la contre-attaque avec Tousgar. Ndombele, il est là. Quelle défense Ndombele, Bastien. En profondeur pour Alilou. Alilou qui tire. La parade. Ça va sur Marvin peut-être. Non, je crois que l'action est finie. Le gardien Sochin qui répond présent. 10 tirs à 3 pour le moment dans ce match. 6 tirs cadrés, le coup franc de Noudi, Noudi qui frappe! Ça frôle la lucarne, on est passé par un superbe but pour Noudi. Deuxième chance, Noudi. Et penalty! Penalty! Est-ce que c'est Polo Bassin qui le tire? Ah, c'est Polo apparemment. J'ai mis les deux en tireur, je crois. On fera tourner, je pense, la seconde partie de saison. Polo qui frappe! Et le triplé de Polo! 12e but de la saison. Il ne s'arrête plus, Paul. On mettra peut-être les pénalties à Bastien vu que Bastien marque moins. Enfin marque pas même. Polo, le centre pour Gaïa. Gaïa qui passe, qui frappe la barre. La barre pour Gaïa. Elle peut-être une dernière action pour les Nancéens dans cette première mi-temps. Non, Kalou qui récupère. Kalou qui passe, c'est bien fait le centre, la tête. On est passé pas loin de la réduction du score. Mais c'est raté. Avec Polo, Polo encore, Polo qui frappe. Et l'arrêt du gardien du football club Sochaux Montbéliard. Qui a fait les passifs dans ce match? On a deux pour Ndombele, une pour Marvin, une pour... Attends. Ah non, c'est la passive, il n'y a qu'une de Marvin. Ça, c'est les passes clés, je pense. Et c'est reparti. Espérons que Nancy ne stagne pas trop en seconde mi-temps comme à ses habitudes. Le corner de Milenkovic, pardon. La part du gardien. C'est trop rapide, là, j'ai même pas le temps de commenter. Ça va trop vite, l'AS Nancy Lorraine. Ça va trop vite. Mais attention à la contre-là. Kaloulou, Kaloulou, Kaloulou qui va centrer. Non, c'est récupéré par Gaïa, bien fait. Ils sont tranquilles, les Nancéens. Ça joue bien. Bastien qui remise vers Polo. C'est bien fait. Polo qui passe. Le lob! Le lob magnifique. Et c'est le quadruplé pour Paul. Le quadruplé pour Paul et magnifique passe de Bastien. Alors Bastien, j'espère que ton rôle en pivot ne te dérange pas trop. T'es moins buteur, mais t'apportes quand même beaucoup dans le jeu. Et Polo, il régale. Finition. Parce que Bastien, dans la vraie vie, t'es plus un joueur qui dévie de la tête. Et Paul, c'est plus le tryharder à la fin. Donc je vous ai mis plutôt ça comme rôle. Paul qui tryhard les buts et Bastien qui dévie. Mais bon, il faudrait Bastien avoir quand même des buts parce que là il se bouge pas trop le cul quand même ton joueur en finition. Alors que je l'ai quand même mis, je crois il a 17 de finition, je crois ils l'ont mis le jeu. Noudi, Bastien qui décale, Ndombele vers Dubois. C'est un peu mal fait cette passe, mais Dubois qui remet. Ndombele. Allez N'Golo. On l'appelle N'Golo Bélé même lui. Polo qui peut centrer vers Bastien. Et Polo qui rend la parée à Bastien. Et Bastien qui ouvre son compteur but. Et ça me fait plaisir que Bastien marque parce que je pense qu'il était un petit peu déçu derrière son écran de pas marquer. Mais voilà. Paul en grand seigneur qui après ses 4 buts va offrir le premier but de Bastien cette saison. Ça fait 5-1. Avec Noddy qui passe, qui accélère, il décale vers Bastien, la frappe de Bastien! Pas loin du doublé. Sébastien il est en confiance maintenant, il va scorer, je vous le dis moi. Il va pas s'arrêter comme ça. Maintenant il va scorer à tous les matchs. Lafond qui fait un plongeon à la Barthez. Tout se gare. Meïté, récupération de Ndombele qui est partout, il est infernal. L'infernal Ndombele. Bastien qui décale vers Alilou. Alilou qui frappe la part du gardien. Et ça va être le match qui va s'arrêter là pour Alilou, je crois. Non, c'est plus Marvin qui va sortir pour le coup. Au profit de Mahmoud Daoud. Ou de. Non, tiens, de Thiago Maia. Thiago Maia faire son entrée en jeu.
Ah merde, lui il est vraiment milieu défensif, du coup je peux pas trop l'utiliser dans ce système, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Et on va faire entrer Moiskin. Bah pour le coup, ouais, Bastien est fatigué, donc ça va être la place de Bastien. Malheureusement pour Bastien. On va le mettre pareil dans un rôle de pivot un peu. Et on va faire rentrer... rentrer Georgen, tiens. Hop, c'est parti. Le jeune parisien. Ah, essaye de faire jouer un maximum de joueurs, hein, toujours. Du coup, j'aurais passé avec 3 défenseurs, en 3 milieux en fait, quand je vais faire jouer Maya. Passer en 4-3-3. Avec Kaloulou. Kaloulou qui est passé pour Meïté. Tardieu. Meïté qui va peut-être centrer. Oui, il va centrer. C'est bien fait la tête! On est passé pour la réduction du score des Sochaliens. Mais ça passe au-dessus. Est-ce qu'il y aura peut-être une dernière occasion pour les Nancéens aussi? Avec Keane. Penalty! Penalty encore à nouveau pour Nancy. Et toujours Polo peut-être pour le quintuplé. Yeah! Le quintuplé de Paul. Cinquième but ce soir. Je sais pas si on fera mieux qu'un quintuplé cette saison. C'est quand même beaucoup, 5. Pour l'instant, Paul détient le record pour un moment, je pense, de but sur un match. Prévost qui prend son temps, hein. Il perd 6-1, il prend son temps, il veut pas en prendre un 7ème. Oula! Georgen, tu vas pas trop jouer si tu fais des passes comme ça. Alilou, Polo. Qui vient tacler par bas. Qui vient vers Kaloulou, Kao qui frappe de loin. Non, c'est raté. C'est nul à chier. C'était fucking trash. Et on arrive tranquillement à la fin du match. C'est terminé. Victoire 6-1, quintuplé de Paul et but de Bastien. Un match exceptionnel. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter la vidéo. Ah, j'ai évoqué le défi raclé. Avec déjà 15 de différence de but en 4 matchs, on dirait le PSG. Je vais sauvegarder et voilà, on va sauter pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.